C'est un jardin qui donc a commencé son existence en 1957 avec la princesse Greta Sturza. Oui, on va raconter des histoires de princesses aujourd'hui. C'est un jardin qui s'est développé dans une valleuse, donc une forêt existante à Varengeville, à Sainte-Marguerite-sur-Mer, pour être précis, juste à côté de Varengeville et du Bois des Moutiers, un kilomètre à vol d'oiseau du Bois des Moutiers. Et la princesse Greta Sturza et Mary Mallet ont été les deux copines de jardin qui ont très vite contaminé un petit peu tous les alentours et aidé à propager beaucoup de plantes. La princesse a ouvert son jardin Le Vastérival au public au début des années 80, sous l'impulsion de Mary Mallet d'ailleurs. Et à partir de ce moment-là, beaucoup de visiteurs ont commencé à fouler les pelouses du Vastérival et à découvrir des plantes qui étaient encore complètement inconnues en France, qu'on ne trouvait pas dans les pépinières, les Viburnum plicatum, le fameux Cornus controversa variegata, les Mahonia media, et personne connaissait ça, ou très peu, en tout cas dans le grand public. Et on ne les trouvait pas. Et donc, très rapidement, avec la PBF, Patrice et Hélène Fustier et tout le comité de la PBF est venu l'idée d'organiser un échange de plantes. Et Courson est né comme ça, sous cette impulsion-là. Elle a été, dès le départ, très impliquée dans le développement de Courson, les jurys, etc. Et dans les années 80 et 90, elle a suscité, de par les visites, énormément de vocations de jardiniers. C'est une mission qu'on essaye de continuer, et ça, on va essayer d'en reparler au fil de la présentation. Donc la princesse, progressivement, au fil des achats de terrain, a gagné, presque par tranche de 10 ans, les 12 hectares que couvre le jardin aujourd'hui, et a accumulé des collections de collections. À peu près 6000 taxons différents au dernier recensement, à l'index de janvier 2019. On va pouvoir ajouter 500 de plus à peu près. Elle était vraiment passionnée et elle a accumulé énormément de plantes, mais pas dans le but de collectionner des étiquettes. C'était absolument pas sa passion de rassembler des listes d'espèces et de cultivars. Mais elle voulait en tester le plus possible. Elle avait une idée fixe. Et le jardin du Vastérival passe pour être le jardin des quatre saisons, parce qu'elle voulait tout simplement découvrir quelque chose de différent chaque jour dans le jardin, quelque chose de nouveau et différent chaque jour dans le jardin. C'est sa principale motivation tout au long de sa vie. Et c'est pour ça qu'elle a accumulé, dès qu'elle trouvait une plante qui poussait bien chez elle, les rhodos, elle a accumulé des variétés très précoces, des variétés très tardives. Et donc aujourd'hui, les rhodos fleurissent au Vastérival de Noël à fin septembre. Les galanthus fleurissent de novembre jusqu'à avril. Les cornouillers commencent mi-avril et terminent fin juillet. Vous voyez, il y a une succession. C'est ça qui a motivé l'accumulation des cultivars. C'est vraiment un lien très pratique et très basique. Elle nous a quittés il y a 10 ans, presque 10 ans, à la fin du mois. On va fêter les 10 ans, fêter, c'est un bien grand mot, mais célébrer les 10 ans de son décès. Et depuis 10 ans, on a énormément travaillé dans le jardin. Quand elle était encore présente, il y avait 2 jardiniers à temps plein, plus Sybille, que certains d'entre vous ont connu, qui était guide. Et c'était une dictature. C'est-à-dire qu'aucun jardinier n'avait d'initiative. Et dès 8 heures le matin, elle était présente pour dicter à chacun ce qu'il devait faire. Là, un trou de plantation, là-bas, une bordure. Regardez, là-bas, il y a un pissenlit, c'est affreux. Et voilà, et tout le monde courait partout. En 2006, ses forces ont commencé à diminuer, à 90 ans. C'est un peu normal. Elle n'arrivait plus à faire le tour du jardin, donc elle m'a demandé de venir la seconder et d'organiser le travail pour les jardiniers. Donc progressivement, à partir de cette date, les jardiniers sont devenus de plus en plus autonomes. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est presque un écosystème. Les jardiniers travaillent comme les plantes dans les massifs, c'est-à-dire tout seuls. Ils n'ont pas besoin, il n'y a pas d'hiérarchie au Vastérival. Chacun décide le matin de ce qu'il va faire.
De temps en temps, je donne des priorités, mais c'est quasiment terminé. Alors, ça fonctionne à peu près bien. De temps en temps, il y en a un qui souffre du syndrome d'is no good, mais ça, c'est humain. On finit par oublier et passer là-dessus tant qu'on avance et on avance bien. Alors, on a, dès le départ, lancé des grands travaux parce que c'était essentiel. Le jardin, donc, c'est agrandi parcelle par parcelle, hein, et la princesse n'a jamais eu une vue d'ensemble du jardin, ce qui est un petit peu dommage. Elle avait gardé des parcellaires parce qu'elle avait planté à une époque des fameuses des de l'Élandie, joli cadeau dans les années 70 pour faire des haies rapides. Effectivement, le Lélandie, ça pousse un mètre par an, mais au bout de 40 ans, bah, ça fait 40 mètres. Et donc, ça occasionne énormément d'ombre et de concurrence. Donc, dès l'hiver qui a suivi le décès de la princesse, on a commencé à enlever ces grands Lélandies qui barraient la vallée. Et donc, 54 Lélandies de 40-45 mètres de haut en 12 jours de temps, ça laisse un grand vide. Et donc ensuite, réorganiser complètement la vallée, retracer une allée, agrandir les perspectives et recompléter les plantations pour cicatriser le plus vite possible. On a répété cette opération plusieurs fois, on n'arrête pas, hein, les tronçonneuses travaillent énormément au Vestérival. On a en même temps rajeuni énormément de rhododendrons, recépé beaucoup de rhodopontiques pour éviter la dispersion des graines, etc. Redonner de la lumière et de la transparence. La transparence, c'est un mot qui est très utilisé au Vestérival, puisqu'on éclaircit beaucoup les arbres et les arbustes de manière à voir au travers. C'est une astuce de mise en scène et c'est aussi une astuce qui permet de concentrer les plantes les unes au-dessus des autres, imbriquées les unes dans les autres, exactement comme dans la nature. Et ces derniers étés, ces derniers aléas climatiques nous ont prouvé le bien fondé de cette technique, puisque rien n'a souffert. Nous avons eu 5 mois de sécheresse, on ne peut pas arroser au Vestérival, on n'a pas d'eau. Et rien n'a été arrosé, rien n'a séché, rien n'est mort, rien n'a grillé. Grâce à ce système d'ombrage, de mi-ombre partout. En fait, il y a de la mi-ombre partout, plus ou moins, avec plus ou moins de lumière, plus ou moins d'ombre, selon les arbres qui occasionnent, mais toutes les plantes poussent sous protection d'une plus haute. Et c'est vraiment quelque chose qui... Alors, on me dit, oui, c'est la Normandie, alors c'est humide, peut-être, mais c'est beaucoup moins humide qu'avant. Et ce système nous a permis vraiment de passer les étés. Alors, je regrette que Robert ne soit pas là, mais à Shamrock, beaucoup d'hydrangeas ont dû être complètement recépés à cause de la sécheresse. Là, absolument pas, et ils continuent même de fleurir encore actuellement. On a dû aussi changer, faire face à quelques décès de plantes emblématiques, par exemple ce cornouiller qui était célèbre dans le monde entier, photographié des milliers de fois. Eh bien, il nous a quittés en 2012-13, brutalement, après un été sec, un hiver humide. Mais on avait anticipé un petit peu sa disparition et donc du coup, on a replanté un autre cornouiller. Comme sur l'emplacement, c'était impossible, on a transposé et planté un nouveau cornouiller juste en face, dans la même perspective, mais exactement de l'autre, du côté opposé. Et il remplit le même rôle et devient à nouveau un point focal. Tout ça pour vous dire que c'est l'esprit de la princesse qui reste. Tout le jardin évolue, change énormément au grand dam de certains anciens membres de la cour privée de la princesse qui ne supportent pas de voir évoluer ce jardin. Mais un jardin n'est pas un musée et ça doit changer régulièrement. À partir du moment où l'esprit reste, dans cette perspective, elle avait imaginé beaucoup de plantes autour du thème de la couleur blanche. Donc là, on voit les bouleaux, le cornouiller en face. Il y a toute une succession de plantes à fleurs blanches au fil de l'année. L'esprit est gardé, la perspective a juste été inversée. Alors, on va faire un petit tour très rapide, parce que je sais que le temps est compté. Donc, un tour très rapide des collections au long de l'année, puisque voilà, elles se succèdent. Dans chaque collection, il y a énormément d'espèces et cultivars qui se succèdent des plus précoces aux plus tardives. Mais également, tout ça est imbriqué dans un cycle annuel.
Alors, il y a une collection thématique là qui est très importante, c'est la collection des écorces décoratives. Ça a été, la princesse a été une des pionnières à porter les premiers bouleaux, les premiers Acer griseum et Prunus cerula en France. Jean-Pierre Henbel a découvert ces écorces au Vastérival, en a fait autre chose, et c'est tout un phénomène autour des écorces décoratives est parti de là. On vient avec James Garnett, qui est là quelque part, de publier voilà, un bouquin qui rassemble toutes ces écorces décoratives l'hiver et qui permet de garder plein de couleurs. Alors ces couleurs, on les accompagne, ces couleurs d'écorce, on les accompagne avec des floraisons. Il y a aussi pas mal d'amamélis. Je reprends mes notes parce que ça change tout le temps. 42 taxons d'amamélis, plus toutes les autres amamélidacées, les Corylopsis, les Stachyrus, si on veut, les Ex-Buclandia aussi, qui poussent depuis 2 ans au Vastérival, et beaucoup d'autres amamélidacées. Alors ça donne aussi lieu à des scènes d'écorce voilà, à travers la vallée. Quand toutes les feuilles sont tombées, les écorces donnent une animation tout au long de l'année. Au premier plan, ce sont des ronces japonaises, Rubus phoenicolaceus, avec le bois rouge, et qui apparaissent l'hiver. Beaucoup de cornouillers aussi et de feuillages persistants dans les massifs. Des floraisons dans une partie plus récente, avec un climat plus favorisé. On a toute une collection de Lindera, dont Lindera obtusiloba, que vous voyez au milieu, qui est en pleine floraison début février et qui rayonne avec les écorces et les schimia. Amamélis rouge, Livia. Beaucoup des premiers amamélis, évidemment, viennent de Yelena de Belder. Aujourd'hui, il y a aussi une sélection qui a été faite au Vastérival, un semis sélectionné. Cette année, on a trouvé plus de 45 semis spontanés, donc je pense qu'on va encore trouver des choses assez intéressantes. Le plus grand amamélis du jardin est un amamélis Diane, qui fait 7 mètres de diamètre et 4 mètres de hauteur, qui est quand même une pièce assez intéressante et probablement l'un des plus anciens en France. Alors les écorces, les bouleaux, dans une partie que la princesse a plantée dans les années 90, donc qui est juste à sa période mature, les érables à peau de serpent ont formé une belle collection dans cet endroit, mais au bout de 20 ans, vous savez, les stries disparaissent et donc ils deviennent moins intéressants. On est en train de les couper, les enlever pour les remplacer par des jeunes sujets beaucoup plus jolis et plus percutants. Et comme toutes les espèces étaient rassemblées, ils se sont croisés abondamment. On a plein de semis, là aussi avec des belles sélections à venir. Des scènes d'écorce, voilà, qui donnent énormément de couleurs en plein hiver. La plupart des jardiniers amateurs ignorent encore que l'hiver peut être beau au jardin entre la Toussaint et Pâques. Alors, des personnages aussi, c'est une collection importante, quoique assez réduite. Nous avons 97 taxons, ce qui est très peu par rapport à Mark Brown, notre voisin qui en a déjà plus de 350. Mais je me suis appliqué depuis 10 ans à réidentifier précisément les cultivars les plus distincts et à les disperser dans des massifs différents. Autrefois, ils étaient en collection avec chacun l'étiquette. Rien n'est plus facile d'inverser que d'inverser deux étiquettes. Donc là, maintenant, tous ceux qui sont clairement identifiés sont séparés, un par massif. Dans la même zone, c'est les personnages qui se ressemblent. Donc on a un effet d'unité, mais on a aussi la diversité si on veut aller voir les différences entre chaque cultivar. J'ai simplement mis 2 exemples. Barbaras Double, qui est une variété double qui fleurit très longtemps et tardivement, jusqu'à la mi-avril, quelquefois la fin avril. Et puis Hercule, qui est le plus grand des Galanthus, avec des fleurs de 5 cm de longueur et sur des tiges de 30 cm de haut. C'est plus grand que certains narcisses. Donc voilà, les Galanthus sont maintenant séparés et progressivement, alors pour ceux qui sont stériles, je le fais par division, pour ceux qui se ressèment, bien voilà, la multiplication se fait toute seule. Ça c'est Washfield-Warham, la sélection d'Elisabeth Strengman, qui est très prolifique et qui colonise tous les amamélis. C'est comme ça qu'on peut interpeller les gens en montrant des plantations très spectaculaires. Voilà, une vue transversale avec sur les élébores de Corse
qui était l'une des plantes préférées de la princesse, et les Borus argutifolius. Alors, en général, en Normandie, c'est très humide, et dans cette zone-là du jardin, il y a beaucoup de terrain humide, donc elle les plantait au pied des arbres, au pied des pins, là où l'endroit était le plus sec, pour qu'elles puissent vivre et prospérer. Alors, il y a plus de 3000 élébores différentes au Vastérival, certaines sur des talus où elle les a rangées en progression de couleurs. Et toutes les plantes les plus choisies, que l'on ne multiplie que par division, sont regroupées dans un espace près de la maison, et toutes sont clairement identifiées. Et elles sont en hauteur, donc on peut admirer les corolles sans avoir à se baisser. Très vite, le printemps arrive. En fait, c'est déjà le printemps. Les Prunus incisa sont déjà en fleurs, et les viburnums aussi. Les acères, derrière, on a un acère opalus. Là, on a une compression entre un acère opalus, un Magnolia stellata et un Prunus rosivale, qui est une sélection de Yelena de Belder également, qu'on ne trouve pas beaucoup dans le commerce. Voilà, on a des scènes très fleuries comme ça dès le mois de février. Et donc les Prunus et les Magnolia commencent la saison. Ça, c'est Cursar, un hybride de Curilensis et Sargenti, fait par Collingwood Ingram, qui était un grand ami de la princesse. Et Collingwood, c'est celui qui a introduit réintroduit au Japon le fameux Prunus Taiyaku, le grand blanc, celui qui a les plus grandes fleurs blanches, qu'il a retrouvé. Vous connaissez l'histoire? Oui? Non? Non. Bref, la variété était perdue au Japon, plus personne ne la connaissait, on ne la connaissait que sur des estampes, et lui, amateur et spécialiste de cerisiers japonais, l'a retrouvée au fin fond d'un jardin en Angleterre, simplement en passant en train entre Londres et Benenden, sa propriété. Il a vu une espèce de grande masse blanche, il est descendu du train, pris un taxi, allait taper à la porte, et effectivement, la dame qui habitait là avait vécu au Japon avec son mari et était revenu avec une botte de greffon, et dans cette botte de greffon, il y avait Taiyaku. Taiyaku a été réintroduit au Japon, et Collingwood Ingram a été anobli pour cette réintroduction. Celui-là est un pied qui vient directement de Collingwood Ingram, des premiers sujets multipliés. Donc voilà, une valeur historique. Il commence à vieillir également, on l'a multiplié, replanté, à la fois greffé et de bouture, replanté à plusieurs endroits du jardin de façon à assurer la descendance. C'est depuis 10 ans aussi une pratique qu'on a faite avec la plupart des plantes emblématiques du jardin importantes. Elles ont été multipliées, greffées pour garder les clones et les origines. La saison des magnolias, eh bien, voilà, commence avec les grands Dawsoniana, le premier magnolia de semis qui fait 18 ou 20 mètres de haut. Star Wars, dont Pascal parlait hier, qui est ici à droite, qui est probablement là aussi l'un des premiers plantés en France. Et puis, il y en a maintenant 170 autres cultivars, et espèces et cultivars, dont une collection importante de ce qu'on appelait les Michelia, les Mangliesia et les Paracmeria, tous ces magnolias persistants du sud de la Chine et du nord Vietnam. Dans une partie récente, à 90 ans, 91 ans, la princesse a rêvé de planter un bois de magnolia. Donc elle a accumulé pas mal de variétés de cultivars plantés très proches les uns des autres. Et 10 ans après, ça donne un sous-bois merveilleux, en dessous duquel se plaisent beaucoup les Hydrangea serrata. Je pense qu'on les reverra tout à l'heure si j'y arrive. Voilà, la haie supprimée, voyez la nouvelle perspective du vallon, mais inversée de l'autre extrémité avec les magnolias. Là au milieu, c'est Black Tulip qui répond à des bruyères, etc. Toutes les plantes du jardin sont liées par la couleur. C'est une collection très diversifiée, mais avec des liens esthétiques, et c'est ça qui séduit le grand public, parce que c'est beau, c'est coloré toute l'année, et c'est harmonieux. Partout règne l'harmonie. C'était l'un des maîtres mots également de la princesse. Alors les premiers rhodos, je vous disais tout à l'heure, ça commence à Noël avec Christmas Cheer, c'est pas une légende, il est toujours en fleur à Noël, quelquefois même avant. Et puis ça se succède après, là on a rhodos d'Auricum, des plants qu'on a régénérés, les vieux plants commençaient à faiblir, trop d'ombre, on a coupé des rhodopontiques, on a replanté des nouveaux, on a multiplié et replanté des nouveaux d'Auricum, en association avec les bruyères arborescentes Great Star qui sont nées au jardin, là aussi d'un croisement des grandes, des immenses bruyères arbo et d'Erica méditerranéen. Dans cette zone du bois, les pins sont en train de vieillir, donc on a commencé à prévoir leur remplacement, on a cherché une autre essence pour remplacer les pins,
Et après plusieurs essais, on a vu que les Cunningamia se plaisaient très bien. Donc on est en train de planter un bois de Cunningamia qui pousse à nouveau des conifères méconnus, mais qui pousse d'ici d'un mètre à 1,20 m par an, sans aucun arrosage ni apport d'engrais. Donc les bleus sont particulièrement spectaculaires et les autres. Alors les rhodos sont associés souvent par zone de couleur. Il n'y a pas de clash comme dans beaucoup de jardins anglais. On ne met pas des rhodos jaunes avec des rhodos rouges ou roses. Donc il y a une chambre jaune avec les premières azalées lithéum issues de semis des plantes du bois des moutiers. Mais dans ces semis, elle avait déjà en tête la sélection et elle a repéré les plus précoces, les plus tardifs, ce qui fait que dans cette clairière, avec quatre plantes différentes, on a 2 mois de floraison au lieu de 15 jours, puisque quand l'une termine, une autre prend le relais. C'est toujours des lutéum, mais juste des sélections clonales. Autre scène avec des harmonies d'orange. Une plante extrêmement rare ici sur la droite, Pieris nana, mais nana en nom d'espèce, pas japonica nana, hein, c'est vraiment une espèce. C'est une plante de 40 ans qui fait à peine 1 mètre de haut et 80 cm de large. Les grandes bruyères arborescentes au fond. La collection de rhodos rassemble pas mal de rhodos. Alors on est à, que je dise pas de bêtises, les rhodos. On est à pratiquement 500 taxons. On a énormément sélectionné, enlevé tous les hybrides d'hybrides parce que ce n'était pas vraiment très joli. On a gardé que les espèces et les hybrides primaires, c'est-à-dire ceux dans lesquels on peut identifier les parents. Et puis quelques plantes un petit peu extraordinaires. À gauche, vous avez Rhodo Tomasini, qui est un hybride, une des 3 plantes qui restent en Europe. La princesse avait eu 2 plantes, Lady Anne Palmer à Rosemore dans les années 80. Les 2 plantes sont toujours vivantes au Vaste Rival. À Rosemore, ils viennent de découvrir une plante dans le fin fond du jardin. Donc, a priori, il en reste 3. C'est très compliqué à multiplier, un hybride de Rhodo Thompsoni. Mais voilà, ils étaient en mauvais état, plein d'oïdium. On a réussi à les aérer, régénérer. Et maintenant, on a du matériel pour multiplier. À droite, Catherine Fortescue, un hybride de chez Lionel Fortescue à Buckland, Monaco Room en Angleterre, qui était un grand ami de la princesse. Là aussi, à Buckland, j'y suis allé ce printemps, ils ont un plant d'1,20 m sur 1,20 m. Le nôtre fait 4 mètres de haut sur 6 mètres de large. Et il se reproduit bien. Voilà, énormément de rhodos aussi pour les feuillages. Rhodo pachyzanthum à gauche, Rhodo hongkongense ici à droite, qui tient bien au Vaste Rival depuis 12 ans. Donc avec qui est surtout très beau pour les jeunes pousses. Rhodo campanulatum à aeruginosum dans les bleus. J'ai découvert l'hiver dernier un vieux Rhodo suchuenense qui a fait ses premières fleurs depuis une quinzaine d'années. On fait toujours des découvertes. Tous les ans, amène son lot de découvertes. Donc il y a près de 500 taxons identifiés, mais il en reste encore à découvrir. On a aussi des très rares Rhodo à écorce, Rhodo nipponicum à gauche et Rhodo genesterianum à droite qui tiennent également. J'essaye d'aller vite. Des vieux sujets qu'on a éclaircis mais pour valoriser les troncs et apporter de la lumière. Voilà des graphismes qui sont intéressants avec un érable aussi qui a une histoire. Il y a 2 spécimens de ces érables dans le jardin envoyés par mademoiselle Eklova qui était responsable du jardin alpin du muséum en voyage à Taïwan dans les années 74 ou 75, qui a collecté 2 petits érables en forêt, envoyé à sa copine, la princesse, dans une enveloppe. Et les 2 sont là, en voilà un dans le bois et l'autre est double de taille. Et ils sont vraiment magnifiques et les seuls représentants de cette sous-espèce en Europe. On a aussi maintenant, avec l'évolution climatique, la possibilité d'introduire des rhodos sensibles. Alors la princesse avait déjà acclimaté Rhodo griffithianum, qui est au milieu, qu'on trouve même en Angleterre, on les trouve dans des collections de serres froides. Il faut aller en Écosse ou vraiment dans le sud, en Cornouailles, pour les trouver en pleine terre. Au Vaste Rival, il y a plusieurs sujets qui sont très grands et qui fleurissent bien tous les ans.
À gauche, c'est un petit bout de rhodolindlei qui est bien rustique maintenant depuis 12 ans, donc on considère que c'est gagné. Et puis à droite, c'est un nouvel hybride qui s'est semé, qui s'est créé au jardin, une forme de rhodopolarbir qui s'est semé et qui fleurit toujours mi-août, au moment où il y a les jeunes feuilles. Donc on a décidé de le dédier à la princesse Greta parce qu'elle aurait beaucoup aimé cette association de fleurs. Voilà, les ambiances, quand on a un peu de brume, voilà, on se croirait un peu dans l'Himalaya. Et c'est un peu ce qu'on cherche, c'est à redonner à chaque rhodo, à chaque plante d'ailleurs, un petit peu l'environnement naturel pour qu'elle pousse au mieux. Alors on a aussi progressé énormément dans pas mal de petites collections, petits genres, comme les épimédiums. On a planté à peu près 2500 épimédiums dans les nouveaux hybrides de Thierry Delabroix, en particulier avec des inflorescences qui montent à 1,80 m, 2 m. Donc ça n'a plus rien à voir avec les petits épimédiums. Alors, pas d'espèces très précises, mais des nouvelles lignées intéressantes pour l'horticulture. Idem avec les euchères, associées ici avec Triopteris lepidopoda. On a, au fil des années aussi, discerné parmi les fougères spontanées du Vastérival pas mal de sélections, pas mal de cultivars, et puis introduit beaucoup d'autres au point d'en avoir aujourd'hui à peu près 120 à travers le jardin, dont des tapis de Woodwardia au Nijemata et puis la fameuse Lophosoria qui pourrait devenir aussi grand qu'un Gunnera. Pas mal d'expériences aussi de naturalisation. Moi, je suis un fan de Gilles Clément. Et donc, très tôt, j'ai été imprégné de jardin en mouvement et de l'idée du jardinier qui ne donne que l'impulsion. Et donc, dans certains endroits nouveaux du jardin, j'ai tenté des expériences de naturalisation. J'ai planté 3 euchères villosa, la forme sauvage verte, la forme naturelle pourpre, et puis quelques fougères japonaises, des polysticum polyblepharum, là dans une zone où il y avait de la mousse. 2 ans plus tard, ont commencé à apparaître les semis spontanés, et tout ce que vous voyez là, rien de ce que vous voyez là n'a été planté. Tout est venu spontanément des plantes voisines. Alors, c'est une expérience, vous voyez, ça se naturalise en même temps que les jacinthes des bois qui étaient déjà là et que les télima également se ressèment, et ça donne des scènes d'envergure très jolies, très spectaculaires, avec un coût complètement nul. Ça coûte rien à la plantation, ça coûte très peu à l'entretien, puisque c'est un entretien global. On passe un rotophile là-dedans une fois par an et tout repousse. Et les déchets mulchent automatiquement. Et donc, c'est le jardin réellement facile pour alléger le travail des jardiniers. On fait quand même très attention à cette notion. On parle énormément de plantes invasives. Dès qu'on parle aujourd'hui de plantes qui se ressèment, tout de suite, il y a quelqu'un qui nous dit « Attention, ça va envahir !» Donc, on est très, ces expériences de naturalisation n'ont lieu qu'au cœur du jardin. Et depuis 2 ans, on a pris la décision d'enlever, d'avoir une bande de au moins 50 mètres autour du jardin où il n'y a aucune plante capable de se ressemer. On a viré tous les Montbrecia, les Lecesteria, les Hypericum que l'on commence à trouver dans les environs. Et en face, de l'autre côté de la route qui amène au Vastérival, il y a une réserve du Conservatoire du Littoral. Donc c'est vraiment impensable de laisser se propager des plantes. On coupe les inflorescences des Gunnera, on coupe les inflorescences fanées des Lysiquitons, dont les graines colonisent les ruisseaux. Donc une attitude responsable vis-à-vis des plantes envahissantes. Naturalisation, oui. Envahissement, non. Voilà l'érable de Taïwan, le deuxième sujet, qui est vraiment très bon, très bien pour illustrer la transparence. Le cornouiller aussi qu'on revoit. Donc, toutes les plantations sont organisées par massifs, par îles, mais les îles s'imbriquent les unes dans les autres et sont esthétiquement interdépendantes. C'est un petit peu comme une anamorphose quand on se promène dans le jardin et les plantes s'associent les unes aux autres complètement différemment à chaque pas. Là, c'est la période rose, avec des deutzias, des géraniums, des cornouillers. Et ça évolue comme ça tout au long de l'année. Alors, en parlant de roses, il y a aussi des roses. On ne les voit pas beaucoup au Vastérival, mais c'est aussi maintenant pratiquement uniquement des roses botaniques. Il y a Californica florepleno à gauche, Banksia lutea qui s'est épris d'un chêne et d'un photinia,
et puis des petites choses qui ont une allure très naturelle, qui sont plus récentes, mais qui ont une allure très naturelle, comme Plaisanterie, qui est un hybride de Rosa Kinensis, et qui a la même faculté de changer de couleur. Certains massifs sont dédiés à une couleur, des exemples de monochromie assez intéressants avec les feuillages, je passe très vite. On arrive en juin, fin mai, début juin, avec les cornouillers. Donc on a cornus, 95 taxons de cornus différents, pas tous à fleurs, hein. Il y a aussi ceux à écorce. Cornus hongkongensé à gauche se ressème spontanément, se naturalise au Vestérival. Et les persistants qui ne devaient pas être rustiques, comme hongkongensé, comme omeyensé, capitata, bref, tous ces persistants sont bien rustiques et commencent à fleurir à leur tour et à produire des fruits et des graines. Satomi, qui a été probablement l'un des premiers aussi introduits en France, qui est toujours là et beau deux fois par an. Donc les cornouillers sont dispersés dans le vallon et les derniers, comme ici Blush, coïncident avec la floraison des premières astilbes. Astilbes dont j'essaye de réidentifier également un certain nombre de cultivars parce que ce sont des plantes géniales dans ce jardin. Elles ne sont pas attaquées par les limaces. Astilbes et filipendules. Les derniers cornouillers accompagnent les premiers Hydrangea serrata. Donc une cinquantaine d'Hydrangea serrata et en tout on est à 377 taxons d'Hydrangea, ce qui est loin derrière Shamrock, mais qui est quand même pas mal. Donc revoilà le bois de magnolia de tout à l'heure avec les tapis d'Hydrangea dessous et d'épimédium. Voilà les grands Hydrangea, Macrophylla. Alors, la princesse était toujours perfectionniste et sur les premiers Macrophylla dont elle a hérité, qui étaient Veitchi, qui étaient Blue Wave, elle a tout de suite fait des sélections. Elle avait un œil pour repérer les meilleures branches et bouturer les meilleures branches. Donc, le Veitchi qui a des inflorescences de 10 cm de diamètre et 4 fleurs stériles est devenu ce qu'on appelle maintenant à gauche blanc-bleu Vestérival avec des inflorescences de 20 à 25 cm de diamètre et 12 à 15 fleurs stériles, simplement par sélection clonale, toujours la meilleure branche avec les uns. Elle a fait la même chose avec Blue Wave, qui est devenu un truc avec des plateaux de 25 cm de diamètre aussi. Et puis, comme au Vestérival, malheureusement, c'est acide partout, tous les hortensias sont bleus, elle voulait des roses. Et donc, elle a sélectionné une mutation de Blue Wave qui reste rose en terrain acide. Et puis, celui-ci, qui a été baptisé par Yelena de Belder, qu'on appelle Vestérival Moonshine, parce que le soir, quand il y a peu de lumière, il est resplendissant. Il a une couleur fluo, vert fluo, jade, vraiment entre le bleu et le vert, pendant tout l'automne et jusqu'à Noël. C'est une mutation de Général Vicomtesse de Vibray qui fane brutalement et qui est moche, qu'elle n'aimait pas. Mais là encore, elle a trouvé une branche qu'elle a multipliée et c'est devenu ça. Elle a aussi trouvé dans le jardin ce qui est devenu Great Star le Vestérival, un paniculé avec des fleurs en forme de papillon. Ce qui pour moi est un semis de White Moss, l'un des premiers que Yelena a distribué hors de France. Il a le même type d'inflorescence et la même période de floraison. Ça, c'est un nouveau semis qu'on vient de trouver dans le jardin. Alors, avec des fleurs roses en fin de floraison, ça, il y a plein de cultivars qui ont cette particularité. Mais lui, il est également rose en bouton. Ça, c'est assez nouveau. Les grimpantes ne sont pas en reste avec, sur la photo précédente, voilà, Schizophragma qui colonise les arbres. Toujours l'idée d'utiliser les plantes de manière la plus naturelle possible. Les paniculés dans les massifs, bon, je vais passer rapidement. Voilà, ce genre de vue transversale à travers les massifs qui donne une impression de naturel. La princesse recherchait ça. En même temps, elle a été éduquée à garder toutes les plantes sous contrôle, l'école anglaise. Donc, ce qui me fait dire souvent que le Vestérival est un jardin naturel, mais pas sauvage. Et c'est ce qui plaît à la plupart des visiteurs aujourd'hui, une impression de nature. Mais comme les gens ont peur des plantes et ont peur d'être envahis par les plantes, il faut quand même un minimum de contrôle. Donc, naturel, mais pas sauvage. Au fil des saisons, évidemment, tout ça se complète. Les couleurs.
On arrive en automne avec des jonchées, des parties un petit peu plus arboretum, un petit peu moins travaillées, où on entretient de façon moins suivie. On laisse maintenant des jonchées, par exemple les schizostylis, se ressèment et forment des colonies intéressantes avec les couleurs d'automne. Idem avec les saxifrages japonais qui ont décidé de naturaliser tout un coin de mousse. Voilà, la transparence permet de profiter des couleurs d'automne sur des longues distances. À gauche, on retrouve Tayaku, qui est là en couleur d'automne. Voilà une vue des érables. On a 250 taxons d'Acer, dont beaucoup de japonais, plus de 450 plantes différentes, dont certains spécimens assez intéressants. Un jour, une visiteuse a pris cette photo, l'a postée sur Facebook en disant « J'arrive, je suis à Kyoto ». Voilà, l'un des premiers Acer palmatum senkaki ou sengokaku qui a été planté en France en 1974 est toujours là dans le bois. Et à droite, vous avez Collingwood Ingram, qui est un semis sélectionné dans une caissette chez Collingwood et qui a la particularité de se colorer au Restérival branche après branche. Pendant 15 jours, on peut prendre une photo tous les jours et le voir évoluer, ce qui est assez fantastique. Et l'apothéose est aussi assez jolie. Voilà la serre de Mademoiselle Eklova, donc de Taïwan, au fond de la vallée, qu'on a bien dégagée maintenant. On a enlevé tous les arbres qui étaient autour et qui le concurrençaient. Et c'est un spécimen qui est magnifique dans tous les sens, intérieur, extérieur, et un modèle de transparence. Seiryu, qui est aussi un des plus anciens, et d'après Cor van Gelderen, le plus ancien en France, puisque son père avait importé un petit plant duquel il a fait deux greffons. Ça, c'est l'un des deux greffons. L'autre, il l'a gardé comme plant mère et il est mort il y a quelque temps. Donc, de fait, celui-là est le plus vieux d'Europe. Voilà l'aspect du vallon en ce moment. Ça aurait pu être vendredi dernier. Et puis l'hiver, des grandes transparences avec les conifères qui apparaissent. Alors, il y a une collection de conifères aussi importante, avec pas mal de cultivars, mais aussi des espèces qu'on appelle des espèces primitives. Il y a Saxegotea conspicua à gauche, qui est probablement là aussi l'un des plus grands en France. Les Cyadopitys, se plaisent très bien. Ça, c'est un sujet d'une quinzaine d'années. Je suis en train d'en planter d'autres. On prévoit de faire un bois de Cyadopitys. Fitzroya cupressoides à gauche, qui, selon Franklin, est l'un des plus grands en France. Probablement l'un des plus anciens. Et puis, voilà, ça c'est maintenant le Mahonia Lionel Fortescue, sélection du nom éponyme, a commencé sa floraison et les Mahonias vont à nouveau nous guider pendant tout l'hiver. Et la transparence dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, tous les arbres sont transparents, laissent passer la lumière et la vue, ce qui permet de profiter des plantes de plein d'endroits différents, de plein de points de vue et de créer des perspectives assez intéressantes. Alors, toutes ces collections, c'est bien intéressant, mais depuis, alors, tout au long de sa vie, Franklin, Jean-Pierre Demoly et plein d'autres du CCVS ont fait le siège de la princesse pour lui demander d'accueillir des collections CCVS. Elle a toujours refusé. Elle ne voulait pas être dépendante et devoir garder des plantes qui ne lui plaisaient pas. Son credo, c'était la beauté. La place est toujours limitée dans un jardin. Donc, elle voulait pouvoir arracher une plante botanique, même rare, si elle ne correspondait pas aux critères esthétiques de l'endroit, si elle n'avait pas des fleurs intéressantes, des couleurs d'automne, une écorce ou au moins des fruits intéressants. Donc, elle voulait aucune dépendance à ce niveau-là. Elle jugeait ces listes et cette affiliation au CCVS comme une dépendance. Elle n'a jamais voulu. Après son décès, avec la princesse Irène Sturza, qui est maintenant la propriétaire, donc la belle-fille, l'épouse du troisième fils, du plus jeune, on s'est dit, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait même être très bien d'avoir des collections labellisées CCVS, puisque ça donnerait une importance au jardin et ça conforterait la famille, qui n'est absolument pas jardinière et qui n'est pas du tout dans le monde du jardin, mais dans le monde de la banque. Voilà, ça donnerait une image forte et une valeur au jardin.
Ça fait 10 ans qu'on est en tractation avec le CCVS, que je fournis des listes, que des représentants viennent, visitent le jardin, voient les collections, et il n'y a rien. Il n'y a aucun label. Alors, on en a pris notre parti. La princesse Irène est en train de changer d'avis. La princesse Irène est en train de changer d'avis et de se dire que finalement, depuis 10 ans, on vit sans label. Le nombre de visiteurs augmente, cette année plus 25%. Le chiffre d'affaires augmente, donc le jardin devient de plus en plus, de moins en moins dépendant et de plus en plus autonome. Merci, je cherchais le nom. Donc, pourquoi faire et pourquoi à nouveau essayer de se lier à des administrations qui sont lourdes, coûteuses, parce qu'il y a quand même une cotisation, et qui finalement n'apportent rien. On a le même raisonnement à propos des labels Jardin Remarquable. Plein de jardins dans le coin ont le label Jardin Remarquable. Ben nous, on se distingue parce qu'on ne l'a pas. Voilà, donc je...